Votre avis nous intéresse. Appelez France Bleu Vaucluse au 04 90 14 0404. C'est le 95e congrès des maires de France qui se déroule à partir d'aujourd'hui à Paris. L'occasion pour nous de parler de votre maire, de parler de vous, si vous êtes maire d'une commune, si vous l'avez été, ou si vous souhaitez le devenir. Vraiment, appelez-nous pour en parler ensemble. On a une douzaine de minutes pour parler ensemble au 04 90 14 04 04. Et pour nous accompagner ce matin, Christian Gros, le maire de Monteux et secrétaire de l'association des maires de Vaucluse. Ah, bonjour Christian Gros. Bonjour. Alors vous êtes à Paris, hein, vous allez participer tout à l'heure au 95e congrès des maires qui s'ouvre cet après-midi. Qu'est-ce que vous en attendez de ce congrès? Il s'ouvre même ce matin. Ce matin avec un débat sur l'acte 3 de la décentralisation. Donc dès que j'aurai raccroché, bien j'irai au congrès. Alors donc vous allez parler de décentralisation, mais pas seulement, hein? Ah, pas seulement, non. Non, pas seulement. On est quand même à l'aube d'un nouveau quinquennat, une nouvelle législature. Donc, il y a beaucoup quand même de choses qui vont changer, qui vont évoluer. Et c'est toujours un moment important d'écouter les ministres et même le président de la République. Cet après-midi, le président de la République viendra s'adresser à nous. Et déjà ce matin, on aura Marie-Lise Lebranchu qui est ministre de la réforme de l'État et de la décentralisation et qui va porter cet acte 3 de la décentralisation, ainsi que Manuel Valls. Donc vous voyez, c'est vraiment important quand même que ce 95e congrès. Et vous parlerez aussi de la responsabilité des maires, c'est le sujet hein, dont on s'occupe dans la ligne ouverte, la responsabilité de plus en plus lourde hein, sur les épaules des maires, et déjà beaucoup d'appels au standard. Oui, on va prendre un premier appel de Janine, qui nous appelle de Plan-Borgon. Bonjour Janine. Bonjour madame. Voilà, je peux donner mon point de vue, s'il vous plaît. Vous êtes là pour ça, madame. Allez-y. Bien. Voilà, je voulais dire qu'à propos des problèmes qui se sont posés à l'UMP, les élus s'y mettaient autant de zèle à tenir les promesses qu'ils font pendant leur campagne électorale que le zèle qu'ils mettent pour se faire élire. Tout irait beaucoup mieux en France. Est-ce que vous avez le sentiment, Janine, que les maires ont de plus en plus de responsabilités et que, notamment dans les villages, ils sont un petit peu confrontés, un peu seuls, confrontés à leurs responsabilités? Ah mais justement, seulement les maires, eux, ne sont pas responsables de tout ça. Je pense qu'ils ont assez de problèmes dans leur commune à gérer tous les problèmes qu'il y a. Je ne parle pas des maires, je parle des parlementaires élus plus haut. On avait bien compris que votre premier propos ne s'adressait pas effectivement aux maires, mais le sujet du jour, c'est les maires. Merci Janine, en tout cas, de votre appel depuis Plan-Borgon. On va retrouver... On va peut-être demander à Christian Gros hein, ce qu'il en pense. Christian Gros, est-ce que vous avez le sentiment que les administrés voient beaucoup les élus au moment de la campagne, etc., puis qu'après, ils ont plus de mal à comprendre leur action? J'ai retenu en tout cas que Janine, qui vient de parler, a distingué les élus. Les élus, c'est-à-dire les élus nationaux notamment, puisqu'elle a parlé des députés, entre autres, et les élus locaux, le maire. Le maire, elle le voit. Et c'est vrai que nous sommes en charge quotidienne des problèmes de nos administrés. Alors on va entendre Jean-Pierre Lambertin, qui était notre invité tout à l'heure à 7h40, sur le problème justement de la responsabilité hein, des élus. Jean-Pierre Lambertin, qui est maire de la Palue et président de l'association des maires de Vaucluse, il admet effectivement que la responsabilité des maires est de plus en plus lourde. On est le premier niveau de collectivité, donc nos administrés pensent déjà que le maire il peut tout faire et tout régler, ce qui n'est pas exact. Donc il y a cette pression-là, déjà on est confronté à beaucoup de demandes, des demandes quelquefois impossible à réaliser. Et puis en termes de responsabilité, c'est vrai que à travers le temps, un certain nombre de modifications sont intervenues. Et l'exemple du maire de Sablé, c'est au niveau de l'urbanisme hein, qui a provoqué cette situation déplorable. Il est inadmissible que lorsqu'une décision a été prise conformément à toutes les lois et tous les textes en vigueur, qu'on puisse venir contester le maire de cette façon. Voilà un petit rappel, hein, le maire de Sablé, Claude Reynaud, souhaite démissionner parce qu'il est victime d'un corbeau hein, qui le menace, lui et sa famille, à cause d'un projet de lotissement. Christian Gros, est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Pierre Lambertin? Oui, complètement. D'ailleurs, on s'en est exprimé il n'y a pas longtemps au congrès des maires de Vaucluse et on a soutenu notre ami Claude Reynaud, qui a subi des pressions totalement inacceptables, inadmissibles. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre commune de subir également des pressions?
Oui, bien sûr. Moi, je porte plainte systématiquement. J'ai eu des menaces de mort. Oui, c'est vrai. Et comment vous résistez? Comment vous résistez à la pression? Est-ce que vous vous sentez entouré à un moment? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes soutenu justement face à ce genre de fait? Soutenu quand quelqu'un vous menace de mort, ben on peut être soutenu. On n'est pas tout à fait clair, quoi. On n'est pas très bien. Hein. Je comprends tout à fait la position de notre ami Claude Reynaud. À qui on a menacé et pour lequel on a menacé sa famille elle-même, les petits-enfants et toute sa famille. Bon, ça, c'est absolument scandaleux, parce que les gens n'imaginent pas les responsabilités d'un maire et le fait qu'il ne peut pas tout. Moi, il y a des gens qui viennent me dire, mais c'est vous êtes le maire, vous êtes le patron, vous êtes le chef. Mais non, je ne suis pas le bon Dieu, désolé. Et on fait ce qu'on peut. Et en matière d'urbanisme, par exemple, puisque c'est le cas de notre ami Claude Reynaud, en matière d'urbanisme, le maire, il a quelques pouvoirs, mais il n'a pas tous les pouvoirs, il ne sait pas ce qu'il veut. On parle des responsabilités des maires ce matin sur France Bleu Vaucluse avec Christian Gros qui est avec nous, maire de Monteux et secrétaire de l'association des maires de Vaucluse. Également avec vous, vous nous téléphonez pour nous parler de cette responsabilité. Si vous avez été maire, si vous êtes maire, si vous souhaitez le devenir, comment est-ce que cela a évolué? Qu'est-ce qui pourrait changer pour améliorer la vie des maires dans les communes? Appelez-nous, on attend vos appels. Participez à la ligne ouverte de France Bleu Vaucluse au 04 90 14 0404. Et un SMS de Bernard de Saint-Saturnin qui demande « Les maires ont-ils accès à des formations en urbanisme par exemple ou en droit administratif? Sinon, comment font-ils pour être bien dans les clous ?» Est-ce que vous avez accès à des formations, Christian Gros? Bien sûr, il y a des formations, mais les congrès eux-mêmes sont des moments de formation continue. Oui, en matière d'urbanisme, on va en parler aujourd'hui et demain, on a des réunions régulières. Et puis l'association des maires de Vaucluse, par exemple, dont je suis le secrétaire général, organise tout au long de l'année des formations sur les finances publiques, sur l'intercommunalité, sur l'urbanisme. Oui, bien sûr, c'est indispensable. Aujourd'hui, vous savez, être maire, c'est un vrai métier. Un vrai métier qui n'a absolument plus rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans. Moi, je suis maire depuis assez longtemps. Entre la fin des années 80 et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Et est-ce que justement vous êtes accompagné? Vous parliez de formation, ça évolue très vite, hein, le droit administratif. Est-ce que vous pouvez, à chaque fois que vous avez une question, etc., trouver des réponses facilement? Bien sûr, à condition de s'en occuper. Bon, moi je fais partie d'instances nationales où on peut approfondir les choses, mais il y a certains maires qui ne participent pas et qui ne font pas la formation. La formation, c'est un acte volontaire du maire, il en fait ou il n'en fait pas. Alors une petite réflexion de Paula hein, qui nous a appelé ce matin et qui nous dit peut-être des difficultés dans les villages. Alors il y a peut-être des difficultés dans les villages, mais finalement dans les villes ce sont les services des mairies qui s'occupent de tout, les maires ne sont pas débordés. Quel est votre sentiment là-dessus, Christian Gros? Il y a une différence de fonction entre les maires des grandes villes et les maires des villages? Les maires des grandes villes, c'est évident, sont entourés par une technostructure, par des techniciens en tout genre, que n'ont pas les maires des villages et des petites villes, ça c'est certain. C'est certain, ça c'est indispensable, c'est évident. Je considère, moi, qu'un maire d'un village de 2, 3 000, 5 000 habitants a autant de mérite, sinon plus, qu'un maire d'une grande ville, parce qu'il doit se débrouiller tout seul. Il n'a pas tout un staff sur lequel s'appuyer. Et il doit être polyvalent. Merci beaucoup, Christian Gros, d'avoir répondu à nos questions. Ce matin, je rappelle que vous êtes maire de Monteux, secrétaire général de l'Association des maires de Vaucluse. Vous êtes à Paris hein, ce matin pour participer au 95e congrès des maires. Donc une soixantaine hein, d'élus vauclusiens participent à ce congrès des maires. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Et bon congrès alors. Maintenant on va écouter un petit peu de musique et puis je voulais vous dire, ah oui, que chaque soir, notre ami Serge Delcourt reçoit les maires également puisqu'il leur demande comment ça va. Un rendez-vous à retrouver entre 17h et 19h.